Salut à tous, donc aujourd'hui, oh, ça fait bizarre de se voir. Donc aujourd'hui, un petit déballage, on va essayer de ne pas faire trembler la table. Donc on m'a demandé, ça résonne un peu, de faire une vidéo avec moi dessus, quoi. On m'a dit, tu vas apporter plus d'abonnés et tout. Voilà, je teste, voilà. Enfin, ça ne me dérange pas, moi, on me montre, hein, je me montre. Donc un petit déballage, c'est un colis reconditionné de Amazon. On va essayer d'être le plus naturel possible, tant qu'à faire. Donc, j'ouvre le paquet. Faut que je fixe bien là, parce que bon, c'est un peu difficile. Ah, bien sûr. Donc, c'est un petit téléphone que j'ai reçu de Amazon reconditionné. Je ne sais plus si c'est Amazon. Oui, Amazon France. Le Arcos venait de Amazon Allemagne. Et c'était une bonne grosse merde quand même sur Arcos quand même. Je vais vite m'en débarrasser. Il est déjà vendu. Hein. Celui-là qui était intéressé pour l'avoir, il l'aura pas. Attention. Donc on voit bien marqué. Hop, la boîte. Je vais la montrer. Voilà. Donc c'est le Yountab. Donc je connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça sur Amazon. Du coup, je me suis dit, allez, on commande. Ça coûte rien. J'arrive pas à l'ouvrir. Merci d'avoir cette idée. Je ne me suis pas préparé avant et je peux même pas appuyer sur pause parce que le bouton, eh ben, ça va se voir. Je vais devoir faire comme ça pour appuyer sur pause et c'est pas pratique. Voilà. Donc la boîte. En plus, il y a un angle de vision très réduit, je trouve. Voilà, on va mettre ça là. Est-ce que là on voit? Voilà. Les gens sont contents. Donc le téléphone, il est là. Voilà. Donc, c'est un. Putain, ça fait chier de faire ça. C'est un Yountab. Il faudrait que je trouve une solution parce que c'est pas pratique. Donc, le téléphone, honnêtement, il est vraiment magnifique. Voilà, franchement, marque complètement inconnue. D'ailleurs, il est même pas sur AliExpress. Voilà. Donc, je ferai pas mes tests comme ça. Hein. C'est pour faire un essai. Voilà, Yountab. Honnêtement, il est magnifique. Voilà, c'est un truc de fou. Moi, il me plaît bien. On va voir ce qu'il y a dedans maintenant dans la boîte. Donc, dans la boîte, parce que bien sûr, on ne voit pas la boîte, on trouve le petit chargeur. On a le. Voilà quoi, le câble. Et on va l'ouvrir de suite, un petit guide à l'intérieur. Le petit kikou pour ouvrir le port SIM. Et une pochette avec des petites ventouses. Donc c'est bien parce que c'est pas collé. Voilà. Une petite pochette assez sympa. Donc c'est une table. Et ben écoutez. Honnêtement, petite surprise, hein. Design franchement très beau. S'il y en a qui, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Avec les petits dorés sur le côté, je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le déballage. C'était un petit test. Voilà, on m'a vu. Je sais pas si ça va me rapporter une vingtaine d'abonnés d'un coup. Maintenant, je suis pas à l'aise. Je vous le dis de suite, je suis pas à l'aise. C'est pas pratique pour tester. Et puis le S6 en caméra avant, au moins je me vois, mais bon. Il y a un angle de vision très réduit. Voilà, ben merci à tous, un petit j'aime et partagez ma page.